Le MAR, Mouvement Action et Renouveau, parti de la majorité présidentielle, continue à bâtir des stratégies afin de susciter une adhésion permanente des militants. C'est dans ce contexte que le président de la section MAR Lumumba, le citoyen Noël Malila, a initié une rencontre citoyenne ce mardi 7 avril avec les militants de la sous-section 103-104 km 4. Objectif avoué, procéder à la remise officielle des cartes de membres à 207 nouveaux membres du parti. Une opération qui s'est déroulée dans le strict respect du parti MAR et ce en présence du citoyen Durel Lobo Itoua, président de la section MAR Mvumvu. Cette acquisition des cartes de membres vient grossir en un point douté l'effectif des militants au sein du parti et certainement permettra à ces derniers de servir le MAR sans condition. Bon, mais d'abord, c'est avec joie, c'est une grande joie pour moi de pouvoir recevoir cette carte parce que aujourd'hui, au moins, je sais que je deviens membre. Peu avant la remise des cartes, le président de la section MAR Lumumba, le citoyen Noël Malila, a expliqué aux nouveaux adhérents le rôle d'un parti politique dans la société, les droits et devoirs des membres au sein d'un parti politique. D'autant que le but poursuivi par cette action est de consolider et de renforcer les rangs du parti en vue de faire rayonner les couleurs du MAR dans la ville de Pointe-Noire. Et les motivations premières ne sont autres que donner plus de tonus dans nos rangs, essayer d'avoir plus de militants pour que demain nous soyons plus nombreux au vote. Voilà les motivations qui nous poussent aujourd'hui à pouvoir descendre dans les quartiers, à susciter les adhésions. L'action, elle est pérenne. Elle est pérenne tant que le MAR existera. Le MAR aura toujours des nouveaux adhérents. Donc c'est une action pérenne qui va continuer dans d'autres sous-sections. Là, nous étions dans la sous-section 103-104, km 4. Demain, après-demain, nous serons dans la sous-section de Pita et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une action pérenne. Cette action de distribution des cartes de membres se poursuivra dans les 9 sous-sections que compte la section Lumumba. La prochaine étape sera celle de la sous-section 116-117 Pita. Le rayonnement d'un parti politique passe obligatoirement par la pérennisation de la conquête permanente des militants.